mai 2021. C'est une grande joie dans le cœur que je vous connais nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre notre rendez-vous hebdomadaire de l'église Fepako Nzambe Malamu. À la présentation, c'est le révérend Bavon Baya. Nous sommes toujours ensemble avec le frère John Kankou pour vous présenter les activités qui se sont passées cette semaine au sein de l'église Fepako Nzambe Malamu, direction générale. Et avant toute chose, je salue notre père spirituel, l'apôtre Erego Aïdini, ainsi que son épouse, maman Harmonie Bayenga Erego. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont réguliers, qui nous suivent tous les samedis et tous les mercredis, et sans oublier ceux qui nous suivent en ligne sur Fepako TV. Que Dieu vous accorde sa miséricorde et sa grâce dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons le membre du comité directeur de l'église Fepako Nzambe Malamu et les cabinets de l'apôtre Erego Aïdini, tous ceux qui travaillent à côté de l'homme de Dieu. Nous les saluons tous chaleureusement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, cette semaine au sein de l'église Fepako Nzambe Malamu, il y a eu plusieurs activités qui se sont passées. Et aujourd'hui, avant que nous puissions commencer cette émission, le comité national de soutien avec le révérend Adrien Olongo, qui est en même temps président national de soutien et secrétaire général de l'église Fepako Nzambe Malamu, avait reçu l'apôtre Erego Aïdini cet après-midi dans notre paroisse de Salongo de Bonhomme. Et vous aurez les images lors de notre prochaine émission. Et nous sommes toujours avec notre bien-aimé dans le Seigneur, frère John Kankou. Frère John, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment précis? Oui, merci beaucoup, Père Alexandre Aïdinabala. Aujourd'hui, le Dieu de notre Père Erego Aïdine puisse être avec tout un chacun dans la puissance du Christ. La première dame de l'église Fepako Nzambe Malamu et Fepa dans le monde, maman Harmonie Erego Bayenga, était allée rendre visite à un orphelinat qui se trouve dans la commune d'Engaba, l'orphelinat dénommé Lisanga ya Christo. C'était lors de son anniversaire, la servante de l'Éternel avait trouvé bon de ne pas partager cette joie seulement avec ses proches, mais elle avait trouvé bon d'aller visiter l'orphelinat, les veuves et les orphelins qui sont en train de vivre dans cet orphelinat, partager avec eux quelque chose qu'elle avait prévu, même le gâteau de l'anniversaire, elle avait partagé cela avec les orphelins. Suivez cet exemple, c'est vraiment une œuvre de bénédiction de la première dame de l'église Fepako Nzambe Malamu. Suivez. Alléluia, 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 oh, il est bon. Biso aye kota la bino kombo naye mama Harmonie Bayenga nana ko répéter kombo wana Harmonie Bayenga Harmonie Bayenga mama na biso Harmonie o aye kota la bino lelo yeyo
To betel mama amoni maboko. Mbote 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 bana. Ezangai mama na bino. Mama harmonie erego bayenga. Nalobaki na kofete anniversaire na nganga mokote. Nabaki na kofete na bino po boza baleki na ngai, boza pe bandeko na ngai. Ndeli lo banza mbezo tinda biso to ya ko assister ba orphelin, to ya ko assister ba to baza na pasi, yangonga lelo nalobaki te. Na kolia ka soso na ndako nganga mokote, na ya kolia pe na bino. Na lingi bino mingi. Na sepeli na ndenge boyambi ngai ezamba la suka te to bando mona na kamingi na muki onzamba bando pesa ngai na robondo yo kanisa kabino to lia ka elongo boyete mungu ni mwema ni mwema sana haleluya 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 En tout cas, nous allons faire un peu de temps pour que Jésus Christ abatte la vie, 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 référence à l'hôtel Hôtel Lafayette. Si on commence à l'hôtel Lafayette, tout le monde est venu le moment où la question très bien. Ok, merci. Atnager, c'est que toi, où tu vas sur la pointe de la banane. Après, tu vas me sourire, les ailes, c'est mon mieux. Attends, de la brûler, ça peut être moins épais. Atnager, c'est mon mieux.
la visite de maman Harmonie Erego Bayenga, première dame de l'église Fepa Konzame Malamu, fêtait son anniversaire avec les orphelins. Les lévites de l'église Fepa Konzame Malamu, ce sont les enfants des serviteurs de Dieu, des pasteurs de l'église Fepako et Fepa dans le monde. C'est un grand comité qui est en train de faire plusieurs activités. Alors frère John, pour cette semaine, quelles sont les activités prévues au niveau des lévites de l'église Fepa Konzame Malamu, direction générale? Oui, les activités prévues au comité national de Lévite, c'est la formation. Le comité national de Lévite a organisé une formation pour tous les enfants des hommes dédiés, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université. C'était le comité national qui a signé un contrat de collaboration avec une institution de place, IMICA, pour donner la chance aux enfants des hommes dédiés d'avoir un diplôme qui va leur donner accès au travail. Pourquoi, dans ce même ordre d'idée, nous avions eu à accorder l'interview au président national de Lévite, le frère Josué Nicolas Wembi, qui nous a parlé de ça et aussi qui nous a parlé d'un grand événement qui est prévu pour cette année avec comme thème « Celui qui perd le repère de son père se perd lui-même » en image, et on se retrouve après. Nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Josué Nicolas Wendy Lévite. Je suis le président national adjoint du comité de Lévite et le recrutement spirituel et évangélique des enfants des pasteurs. Brièvement, la vision, la mission, les objectifs et tout de ce comité, c'est d'abord de réunir les enfants des pasteurs au sein d'un cercle commun, d'un idéal commun qui est Jésus-Christ, pour un encadrement évangélique, social et spirituel des enfants des pasteurs. Parce que nous avons constaté, il n'y a pas que nous, un constat éclairé que plusieurs enfants des pasteurs, là je préfère corriger, tous les enfants des pasteurs, non. Certains enfants des pasteurs sont dans des dérapages, vivent parfois une vie qui n'est pas conforme à la critique, et une raison pour laquelle nous sommes levés, pour que nous puissions assurer un cadre d'encadrement pour ces enfants des pasteurs. Donc c'est ça l'idée. C'est que ceux qui ont eu la conscience de servir Dieu, nous puissions nous réunir pour aller vers ceux qui n'ont pas encore eu cette conscience ou ceux qui ont perdu cette conscience, que nous puissions les ramener tous autour d'un idéal commun qui est Jésus-Christ. Et dans le seul but d'hériter le royaume de Dieu, il n'y a pas un autre objectif quelconque, mais la vision, le but principal, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Alors, pour cette année, l'année 2021, la vision c'est que, c'est parce que généralement beaucoup ne dépendent que de l'église, il n'y a pas de moyens pour les scolariser, il n'y a pas de moyens pour les envoyer à l'université, le travail, l'emploi est très difficile à trouver. Et alors, raison pour laquelle cette année, notre vision c'est d'élever, d'entrer vraiment dans le social de ces familles pastorales pour viser un développement. Et là, nous avons inscrit ne serait-ce qu'un enfant de pasteur à l'université, et ça sera pour la gloire de Dieu. Et même un enfant pour être scolaire, aller à l'université, être inscrit à l'université, et un autre au moins que nous allons, à qui nous allons trouver de l'emploi pour qu'il travaille. Et petit à petit, nous savons que les années qui vont suivre, on fera beaucoup plus. Mais cette année, nous visons seulement un. Et si nous faisons au-delà de un, ça sera encore une très bonne chose. Et l'année prochaine, en 2022, nous totaliserons nos 10 ans. D'abord, avant d'y arriver, cette année 2021, à la fin de l'année, nous comptons organiser un grand atelier qui aura pour thème « Celui qui perd les repères de son père, se perd lui-même ». Alors, c'est
cours de cet atelier que nous allons vraiment vouloir réunir les enfants des pasteurs qui sont cadres dans différents comités, dans différentes structures, afin que nous puissions ramener tous une base solide dans le fondement de l'Église qui est Jésus-Christ et même dans la scène de prière. Et voilà, là c'est pour la fin de cette année. Alors l'année prochaine, nous allons organiser, nous totaliserons nos 10 ans et avec la grâce de Dieu, nous organiserons une activité, une fête, une cérémonie, une célébration. Parce que la Bible dit, les Lévites célèbrent. Nous sommes là pour célébrer. Nous aurons une célébration par la grâce de Dieu où nous allons, où le Seigneur lui-même orientera la vision et le format même de cette activité. Donc voilà, brièvement ce que nous pouvions dire. Et à tous nos bien-aimés qui sont en province et ceux qui sont à l'étranger, nous vous prions vraiment de vous associer à nous, que nous puissions associer nos forces afin de mener haut ces combats, parce que nous savons qu'avec Dieu, nous vaincrons. En latin, on dit « cum mandei victoria certa est », c'est-à-dire avec la main de Dieu, la victoire est certaine. C'était Frère Josué, le président national du comité des Lévites de l'église Fepako Nzambe Malamu. L'église Fepako Nzambe Malamu a trois grands chantiers qu'il est en train de prôner: l'évangélisation, le développement et le social. L'évangélisation a une place primordiale au sein de l'église Fepako Nzambe Malamu, conduit par le révérend Israël Lusinga, le président national du comité national d'évangélisation. Le week-end passé, l'homme de Dieu était allé visiter l'hôpital de la Rive. Et il n'était pas allé, mais réduit, il a amené les vivres et le médicament. Nous prêchons, nous prions, il y a le miracle, mais il faut visiter aussi les malades. Et c'était avec le révérend Israël Lusinga, le président national du comité national d'évangélisation à l'hôpital de la Rive. Suivez. Je vais vous dire,
Je suis très ravi parce que ces malades, comme vous connaissez la conjoncture d'aujourd'hui, ils sont abandonnés de quelque sorte parce que beaucoup de gens craignent les malades qui souffrent de la lèpre et ce sont des gens qui sont abandonnés, ils se sont considérés comme des indigents. Donc c'est grâce à vous et les autres ONG qui les aident avec l'épée et c'est pour cela que nous vous remercions. Que ce ne soit pas pour la dernière fois, vous devez continuer, que nous pouvons soutenir ces gens. Merci de prier, vous en prie. C'était le révérend Israël Lusinga à l'hôpital de la Rive, l'hôpital de Lepreux. Ce qui concerne notre page histoire, nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui le feu apôtre Pefa Claude. C'était lors d'un culte de fin du mois à la direction générale de l'église Fepakon Zambé Malamo.
sur Avenue Chuapa numéro 79. Le 4 avril 2001, l'homme de Dieu était là pour exhorter le peuple de l'Éternel. Suivez avec attention particulière, vous serez bénis de ce culte du 4 avril 2001. Suivez. Na mambo ni la kama
Je vois les filles nous intéresser ce matin que nous puissions prier pour la paix et les bénédictions pour notre pays. Et que pour l'acte qu'on a fait de notre pays, et que le Seigneur nous donne des bénédictions dans notre pays, à quoi nous avons besoin de notre pays. Et qu'il bénisse le président de la République. Voyez, le bon moment de la paix. Hier, à Tali, Nabolingo, personne ne sait que c'est un peu le moment de la carte de Bisso, a expérimenté plutôt que de Champo Panaka, ça va vous prendre la table. Et comme la maman a manifesté l'amour et la volonté d'être ensemble avec vous, avec nous, et elle a manifesté la volonté que nous puissions prier pour la paix dans notre pays aujourd'hui. Voyez, et le lieu est avec vous, quand on a un enfant de l'Ibenda, pour le Bisso, vous allez vous dire que vous qui nous vient, un enfant de l'Ibenda, au moment qu'on a carte. Aujourd'hui, c'est une journée de bénédiction. Le jour où nous allons prier pour la paix, la bénédiction, la prospérité dans ce pays. Après cela, chacun de nous, celui qui est malade, il va toucher là où il est mal. Nous allons évoquer notre Seigneur qui va guérir le malade aujourd'hui. La Bible est claire, ils ont évoqué le nom du Seigneur et il a envoyé les saints parmi eux. Aujourd'hui, nous allons évoquer le nom du Seigneur. Il va envoyer la bénédiction, les bénédictions, la prospérité parmi nous. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Dites-moi, vous venez de croyez seulement. Et vous allez dire les miracles de Dieu. Amen. Et que quand nous allons prier maintenant, nous avons pris les mains et déjeuner le tout. Dis, chorale avec la mission chorale fondation. Il y a quand même besoin, il y a quand même besoin de moi et la bonne et de vivre de la porte. Et de colo, au fond de la santé et de colo, à ce moment de la carte. Et que la chorale fondation s'appelle pour nous chanter la chanson de l'amour et de l'unité, afin que nous puissions préparer ça. Et comment on va faire que les mains et colo, c'est une église plus éternelle. En dessous de tout cela, nous pouvons que remercier les seigneurs. Regardez comment nous pouvons pas. C'était le culte de fin du mois avec le feu apôtre Pefa Claude le 4 avril 2001 à la direction générale de l'église Fepako Nzambe Malamu Tchouap. Pour que nous puissions souffler un peu, je veux demander à la régie de nous proposer un extrait de la chorale nationale Fepako Konaf en sigle. Une chorale très technique qui chante très très bien. Suivez. Ndeko molinga mikati na sele Yesu Kristo Masia. Topongo la mitema pote boko nzambe belemi. Totele mabiso baso toke ndiko sakola sango malamu na mokili mobimba. Voilà.
Bongo biso basole loto tele mato kenge kote asamo malamu na mokili mobimba. Ayamba Kristo loko la mobikisi andimela. C'était CONAF, Chorale Nationale FEPACO, qui est en plein studio. Je pense que quand ils vont terminer le tournage, nous allons vous présenter les images de cette chorale très très technique. Hier, c'était vendredi 30 avril 2021.
Hier, c'était vendredi 30 avril 2021. Nous étions dans notre temple de la direction générale sur Avenue Chuapa, numéro 79. C'était avec le rotateur, le révérend Israël Lusinga, qui est venu en rotation à la direction générale de l'église Afepako Nzambe Malamu, au moment où le révérend Mathieu Okasi Tombola est en rotation dans la province évangélique du Katanga à Lubumbashi. Et hier, c'était avec le révérend Israël Lusinga, le président national de l'évangélisation. Il avait prêché la parole de Dieu, comme tout le vendredi, je vous dis. Ce sont des campagnes d'évangélisation. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez. Vous allez rencontrer la main puissante de l'Éternel, notre Dieu. Hier, c'était encore très chaud. Suivez. Makelele na yo eleka ya voisin opo na Yesu Kristo. Sala makelele, makelele. Amen. Vendredi eza mokolo spécial. Eza mokolo ya alliance. Mokolo ya kondimana. Mokolo lobiko solution eza ya ofele. Soki moto moko andimi abeta maboko pona lokumu na Yesu asi. Tiama bokolo likolo yo moko senga liloba loba nzambe ya alias lobelanga na tongo lelo banda ko bondela haleluya ene sengo lokola ngai po sengo nanga na ebike loboko na nzambe zo kita sika siko pende nga zo te ya boise kiti deja pa na moto moko Israel ba koti na boumbu e pa na mokonzi ba benge Pharaon Azam mutu matata mokili mobimbe tatoli azakam sans pitié. Nzamba permettre yoka mabe komi kokomela mwana na nzambe te soki nzambe apesi nzela te. Alléluia. Oyebi po satanazo a Job esengela ka senga autorisation. Nazo bala mwana na nzambe boko azaliawa bako simba yote soki nzambe autorisé te. Azon di mate bako simba yote soki nzambe autorisé te. Pharaon azaki na force kozwa Israel na bohumbu te esengela ki nzambe yemoko akamata apesa bango na maboko na ye. Mais attention, moto azana nzambe soki bapesi ye na maboko na ona bohumbu nyokola ka ye ndambu pokolo na ye akotomboka. Eza lokola ngana zana mwana Nazape na moto mosala na ebisi moto mosala beta mwana na fimbo mibale bongo moto mosala bi occasion n'est pas arrêté a beti mwana mwana zoki afana na mosala to akokende mais nani alobaki na beta beta ka mwana mokonzi yebaka ka za mwana ya mwana mokonzi moko beta Yesu waboko bato bazakati na eglise te mais bato bazali bota ya nani ya nzambe esengeli nzambe atelema contre ba ennemi na bango ennemi tozana ennemi visible pe ennemi invisible une main puissante le forcera à les laisser aller
une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Tango Moïse a dit si Pharaon, Pharaon, boy. Bana Israël balobi papa, osali ed. Okende ki koyebi si po nanini. Nengo yebi si ebo boy, fimbo ko matali susu koleka. Babandi kolela. Esengela ki nzambe atika ta biso. Lokola sali grimace ko bibisa biso mobali oya boy. Toko nyoko ama. Nzambe alobi kende koyebi sa bango babanga te. Loboko moko ezo kita. Alléluia. Nenge la zote ya boloboko ane zaliawa. Ezo kite pana moto azana kondima. Ezo kite pana mwono aza mwana edina bala. Oya banga kanzambe na ebisiye. Iya ine me puissante. Aloba me puissante. Mette la loboko ala maboko. Yoka balobi boye. Loboko ane zo kita. Ko kende ko force. Pharaon, ils ont forcé Alinga, Alinga te akosala nini? Yoka, tango loboko la nzambe kitaka kitaka na négociation te. Loboko la nzambe kitaka la volonté à moto te. Pona mwana na nzambe ataba lobaki okokufa lelo. Soki loboko ana kiti, ataba tiaki na cercueil, okobimali susu pe okotato la kenzambe azamala. Mais attention. Loboko ana kitaka pa na batonyo sote. Et qui t'a capable de Philistin? Hein? Et qui t'a capable de Amalek? Mais qui t'a capable de Israël? Alléluia! Israël est mort à Molim Azaliawa. A soutenir les gens de ma main. Ça dit, le bon qu'on a en Zambé, et qui t'a capable de Paganote, et qui t'a capable de Moto Amelaka Genete, et qui t'a capable de Hypocrite, et qui t'a capable de Moto Amote, Mama Bete, Moninga Pamorami Alemi Note. Mota double face te. Na loboko wana. E kitake pana bato bato mote mapeto. Bato na kobanga nzambe. Babanga te. Ato koti na mbiskad. Ata baboki yo na liburu. Quatrième homme ako kita. Na loboko na ye. C'était le culte de vendredi miracle d'hier avec le président national d'évangélisation, le révérend Israël Lusinga. Frère John, quels sont les communiqués de l'église FEPA Konzambe Malamu et FEPA dans le monde pour cette semaine? Merci beaucoup. Les communiqués de l'église restent dominés par la clôture du collecte, achat et construction Tuapade. Déjà, demain dimanche le 2, tout le pasteur et révérend en rotation vont mettre fin à leur mission. Du mercredi 5 mai au vendredi 7 mai 2021, l'Église a organisé le jeûne et prière à l'intention de tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire il y aura un jeûne et prière dans nos districts respectifs. Il est demandé à tous les enfants de Dieu dans vos différents districts respectifs d'aller participer dans ces grandes assises que l'Église organise. Et à l'issue de ça, le vendredi, il y aura une sainte cène qui est prévue. Soyez là pour participer à cette grande activité et je pense que vous serez bénis et l'Éternel Dieu va vous bénir. Et c'est l'essentiel pour les communiqués de l'Église. Oui, c'est ça l'essentiel de communiquer. Lors de notre prochaine émission, vous aurez les images de nos cinq districts évangéliques. Et sans oublier que l'apôtre Erego Aydin, le président des églises FEPA dans le monde, notre papa Erego, sera dans le district évangélique de la Founa, plus précisément à Tchouapa. Ne manquez pas, enfants de Dieu, dans vos différents districts évangéliques, il y aura sainte-esse, saine après le jeûne et prière de 3 jours que nous aurons dans nos districts évangéliques. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Soyez branchés tous les samedis à la RTVS 1, le mercredi aussi pour la rediffusion. Abonnez-vous massivement sur FEPACO TV, YouTube officiel de l'église FEPACO Nzambe Malamu. Dieu vous bénira abondamment. À la régie, c'était le pasteur Mini Mbelou. Et les images, c'est l'équipe technique de la RTF. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.